Docteur Karim Hilmi, donc je suis vice-président de la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Donc nous sommes réunis aujourd'hui à une réunion de coordination avec la faculté d'El Jadida sur un projet qui a été accepté par la COI de l'UNESCO, qui porte sur la résilience des communautés côtières face aux risques naturels, notamment risques tsunami et l'élévation des niveaux de la mer. Et donc, pour essayer d'avoir des recommandations par rapport à ce projet, donc c'est un projet qui est piloté par l'université Chouaib Doukali au niveau scientifique.